Hey yo tout le monde, c'est Jackix et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de trois magnifiques Tin Box cubiques. Alors, c'est un objet, enfin, c'est un objet. C'est justement des coffrets, on va dire. On a appelé ça des coffrets, mais bon, c'est Tin Box en soi. C'est des Tin Box qui sont sortis pendant le mois de février. Et on retrouve donc, du coup, différents motifs dans ces Tin Box. À savoir que, avec la série qui est sortie sur Pokémon Star et Étincelante, il n'y aura pas de booster Star et Étincelante dedans, je crois, puisque c'est une sortie qui est faite en février. Et il faut savoir qu'en général, c'est pour, de ce qu'on m'a dit, c'est pour normalement déstocker un peu et couler le stock des autres produits Pokémon, donc c'est-à-dire des autres boosters, comme on retrouve dans les coffrets, par exemple dans les différents coffrets, comme Philalie V-Star ou Givant V-Star, etc. Et du coup, eh ben aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis rendu dans une boutique à côté de ma ville, donc à côté de Lyon, qui vendait ces magnifiques Tin Box. Et du coup, j'avais pris également une display Pokémon Star Étincelante. Je vais faire une vidéo un peu plus tard. Oui, je sais, vous allez me répéter dans les commentaires, mais Jackix, tu n'as toujours pas fait. Eh ben, la display sur Pokémon Point de Fusion. Je vais la faire, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je préfère commencer par la Tin Box, les Tin Box qui sont là, qui sont présentes. Et après, c'est promis, je vous ferai sur trois, ça fera sur trois vidéos, je vous ferai l'ouverture de la display Point de Fusion, puis j'enchaînerai avec la Star Étincelante, sauf s'il n'y a pas de produit. Je voulais un peu vous parler, je ferai une vidéo, je sais pas encore, c'est peut-être en réflexion, sur des points info Pokémon, c'est-à-dire je me baserai uniquement sur les séries qui vont sortir sur Pokémon Étincelante, parce que j'aime bien chercher également, j'aime bien essayer de chercher, de trouver, en fait, les nouveautés Pokémon qui sortiront, notamment sur les nouveaux displays, les nouveaux coffrets, les nouvelles séries qui sortiront sur Pokémon, bah, tout simplement Star Étincelante, enfin pas Star Étincelante, mais les coffrets qui vont arriver. D'ailleurs, à ce qui paraît, il y a les decks de combat qui sont arrivés. C'est les decks Lugarok, je crois, et je sais plus trop. Ça fait longtemps qu'on a pas, et je sais plus l'autre exactement, mais voilà. En tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas tout simplement vu Lugarok dans une série. Bref, il y a plein de Pokémon auxquels je n'ai plus vu dans une série, donc j'espère retrouver. Mais bon, bref, trêve de bavardage parce que ça fait déjà 2 minutes. On va ouvrir ces trois donc magnifiques deck box. Alors on a la deck box. Alors oui, il y a le prix exactement. On a les Tin Cubes de type plante. Alors, là, on a la petite énergie plante. On a ici, eh ben, un magnifique archiduc. Un magnifique archiduc. Hop. Ici, j'imagine que c'est. Non. À mon avis, ça doit être doudou vert, un truc comme ça. Je sais pas exactement. Meganium. Et là, je sais pas exactement, puisque comment ça s'appelle? C'est plastifié. On verra après. De toute façon, on va les ouvrir. Là, ici, on a la Pokébox. Enfin, la Pokébox. La Tin Box de type électrique avec Elexprint. Là, j'imagine que c'est Pikachu. Là, on a Elekable. Et là, on a Voltoutou. On a Voltoutou, c'est facile à reconnaître. Donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez voir ce qu'il y a exactement dans ces boîtes, il y a 3 boosters du GCC Pokémon, une pièce Pokémon. Donc voilà, au niveau des boosters Pokémon qu'il y a dedans. Et enfin, la dernière, on a Froussardine, quand ils sont. C'était une deck, une comment ça s'appelle, une petite box de type eau. Du coup, on a Froussardine, tous réunis, on a Marill. On a Loclasse et le dernier, je ne sais pas exactement qui c'est, donc on va voir exactement. Donc moi je propose qu'on ouvre un par un les decks. Je ne sais pas si on ouvre un par un et on ouvrira les boosters tout un tas. Donc dans ces deck box, il y a comment ça s'appelle? Il y a des pièces. Donc c'est un peu comme les. Ah bah ça. On va essayer de l'ouvrir parce que ça va être un peu compliqué. Au pire, j'ai un cutter pour ouvrir. On va essayer de ne pas déchirer les boîtes. Ce serait vraiment débile de déchirer la boîte. Ah, d'accord, ok. On va tous les ouvrir, hein, parce que, tac, parce que c'est important. Parce que sinon, on sera pas embêté après, hein. On ne sera pas embêté durant l'ouverture. Tac, on va prendre celle-ci. Elle a l'air d'être un peu plus facile à ouvrir, celle-ci. On va éviter de ne pas se tailler. Au niveau tout simplement du booster. Et enfin,
On va utiliser le dernier. Donc, dites-moi aussi ce que vous en pensez un peu. D'ailleurs, il y a eu le Pokémon Present qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez de la 9e génération. Parce que effectivement, bah là, on peut parler de 9e génération. Donc voilà, donc on va ouvrir... Alors, c'est bien protégé, hein. On va ouvrir les boosters. Tac. On va descotcher tout ça. Donc, le dernier Pokémon... Ah, d'accord, ok. C'était Kilocroc, le dernier Pokémon. Ok. Ici, c'était Kilocroc. Bon, là, forcément, on reconnaît un peu Pikachu. Et Pikachu, et les câbles, Voltoutou, et Elixprint. Et enfin, pour terminer, on a Archiduc. Hop, en fait, c'est pas si compliqué de ça enlever, c'est juste que c'est bien collé. Oh là là, le scotch, je sais pas si vous l'avez vu en vidéo. Ils l'ont bien collé, le scotch, hein, regardez. Regardez ça. Et donc, le dernier, ici, c'était... Ah, Blancoton, ok. Et on a combien de générations, là? Parce que là, on a, donc, du coup, la 3e génération... ici la 8e. Bah non, en fait on a pas mal de générations. En fait, c'est, je croyais qu'ils arrivaient à représenter un Pokémon par génération. Donc voilà. Donc on va s'ouvrir donc le bleu, la deck box, la team box bleue. Alors en pièces, c'est les grosses pièces qu'on a. On a une pièce. Oh, d'accord. Donc j'imagine ça va peut-être être les starters. On a, oh là, je me rappelle, je sais que, honte à moi, je me rappelle plus du Pokémon, je sais plus, l'Arméléon, l'Arméléon, oui, pardon, c'est l'Arméléon qu'on a ici, ok, l'Arméléon pour la pièce, et en booster, qu'est-ce qu'on a en booster? Qu'est-ce que nous avons en booster? Alors, en booster, nous avons un point de fusion avec Mew, on a évolution épée bouclée, évolution céleste avec Duralugon, et on a un style de combat avec Chifourse, j'imagine, point final, ok. Donc j'imagine que les autres ça va être, à mon avis j'imagine que les autres ça va être la même. Alors on va voir c'est quoi ici. Donc la pièce, eh ben c'est Whistempo. Voilà, magnifique pièce de Whistempo. D'ailleurs elles sont énormes les pièces, hein. Je sais pas où elles sont énormes. Donc là on a Tyranocif en style de combat. On a encore un Duralugon et on a encore un Mew. Ok. On verra, du coup, ça nous fera 9 boosters, hein, puisque il y a 3 boosters dans chaque. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir... je sais pas, qu'est-ce... On va avoir Voltoutou, je crois, non? Ça doit peut-être être Voltoutou. Ah non, c'est Pikachu qu'on a. On a la pièce Pikachu, qui est très jolie, d'ailleurs. D'ailleurs, elle est jaune. Elle est un peu dorée, et les autres sont blanches. Là, on voit un peu ma tête aussi, coucou. Hop. Oui, j'ai pas encore de webcam hein, pour mettre ma tête. Donc voilà. Donc là, on a un... Nectoplasma, on a encore Chifourse et on a un Noctali. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les classer par ordre. En tout cas, elles sont magnifiques, hein, les tin box. Ça peut être des boîtes de deck. Donc c'est important de les garder, surtout pour la collection également. On peut même faire des piles avec. Mais en tout cas, elles sont très très jolies. Mais ce qui nous intéresse, c'est les boosters Pokémon qu'on va avoir là. Donc on va les classer. Évolution céleste, évolution céleste, évolution céleste. Ils sont un peu abîmés. On a du style de combat et style de combat. Dommage qu'il n'y a pas de reine de glace. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les styles de combat en premier. Du coup, ça nous en fait 9. Je vais un peu zoomer parce que voilà. Tac. Donc on a on va un peu dézoomer. Hop, voilà, style de combat, donc on a Chifourse, Tyranocif et encore Chifourse, et on a ici donc Duralugon et Noctali, et ici on a Ectoplasma VMAX et Mew VMAX, donc on verra. Donc on commence par le style de combat, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas avant d'ouvrir les boosters à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu et à commenter la vidéo, ça me fera super plaisir. Surtout que vous êtes nombreux à le faire et franchement ça me fait giga plaisir que vous le faites, que vous êtes nombreux à m'envoyer des commentaires. Alors quand je dis nombreux, hein, il y en a quand même pas beaucoup, mais ça me fait plaisir en tout cas de voir les rendus. Derrière un peu de ce qu'il peut avoir, c'est-à-dire quand je parle de rendu, je parle effectivement de et j'ai du mal à l'ouvrir. Ok, donc on va peut-être procéder par derrière. Donc quand je parle effectivement de commentaires, je parle des petits commentaires hein, parce que voilà, de toute façon mes vidéos elles sont petites et voilà, je veux dire c'est pas non plus un grand YouTuber qui fera ce genre de c'est pas un grand je suis pas un grand youtubeur hein, encore heureux hein, parce que bon ce serait
enfin vraiment se la péter en disant que je serais un grand youtubeur. Donc voilà, j'essaie de pas abîmer j'essaie de pas abîmer tout simplement les boosters. Donc voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2. Est-ce que j'aurai de la chance? C'est la question que je me pose. Est-ce que j'aurai de la chance sur les boosters? Parce que j'ai eu quand même pas mal de chance hein, dans les coffrets ces derniers temps. Donc on a qui? On a Gripat. J'espère que vous voyez bien. Donc on a Gripat. Chaglam. Ramolos de Galar. Voltoutou. Très très joli. Cornèbre. On a l'énergie obscure qui vient juste après Cornèbre. On a l'éventail houleux. D'accord. On a Coléodrome. Ok. On a Dimoclès. Ça fait... Eoko. D'accord. Ok. En commune reverse. Et ouh là là, ça commence direct. Ça commence direct cette ouverture. Avec un Chiffourse 1000 points VMAX. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. En plus, il est en full art, je crois. Est-ce qu'il est en full art? Alors oui, je crois qu'il est en full art. Oui, il est en full art. Il est en full art. Par contre, c'est bizarre que la full art soit. Ce qui est bizarre, c'est que la full art soit. Alors, je sais pas si vous voyez. Il est à la 88e, c'est la 88e 563, alors que les full art en général sont directement derrière. Donc c'est bizarre, parce que les full art en général, c'est toutes celles qui sont vers la fin, puisque c'est les non full art, les ultra non full art qui sont dans cette position, mais c'est une full art. Ok, donc Chiffourse, 1000 points, très très joli. Bah déjà, ça commence déjà super bien cette ouverture. Premier booster, déjà une très grosse surprise. Hop, je vais le mettre ici. Dans un protège-carte. Déjà, très très grosse très très grosse surprise. Incroyable. Déjà, premier booster. Et déjà, on a une ultra. Bon, j'ai l'impression que les ultras, ces dernières années, elles sont quand même très 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 très. Ouh là là. Attendez, parce que j'ai failli faire une catastrophe. Désolé, excusez-moi. C'est que j'ai fait bouger la. Enfin, directement, pas la caméra, mais j'ai fait bouger directement. Le trépied, donc voilà, puisque je filme avec mon téléphone, je sais, j'ai pas encore la cam. J'avais une caméra avant, sauf que le problème, c'est que cette caméra, ben, elle faisait pas trop le taf. Elle faisait pas trop le taf. Donc voilà. Donc j'ai remplacé par le téléphone. Parce que le téléphone, bon, même si la qualité du son, elle est pas folle, hein, elle est pas folle, il faudrait que je me trouve un micro. Mais voilà. En tout cas. Hop, on réouvre un booster. On commence déjà à avoir de la chance, hein, c'est incroyable. Ce serait alors, on commence déjà à avoir un peu de chance. Donc bon, tac. Le code 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, oui. Hop. Alors, qui on a? Mizdibule. Ok. Spoink. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Spoink. J'aime bien ce Pokémon. Je le trouve très sympathique. C'était dans la série, je crois, je m'en rappelle plus exactement, dans une série Pokémon, où j'avais un DVD, je crois que c'était un DVD, où justement il y avait les Spoink. Et c'était basé un épisode sur les Spoink. Et c'était très très bien. Je l'avais bien aimé cet épisode. Comme un épisode où il y avait du Rosabis et du Serpang aussi, je me rappelais. C'était un épisode que je regardais quand j'étais enfant. L'Épidonil, Monsieur Mime de Galar. On a encore Voltoutou. Un Pokémon que j'aime très 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 bien. Je le trouve très sympathique. On a encore l'énergie obscure. Alors Groray, ok, on parlait de Spoink, du coup on a Groray. Le rouleau acerbe, point final. Ok. Ah d'accord, il fait une attaque, colère furieuse, ok. Dentikris. Ok. Chétiflor en commune reverse. Et on a Chaofouine, ou Kaofouine, comme certains peuvent le dire, en 1000 points. Ok, bah très bien. Très très bien. Pour l'instant, je peux pas dire c'est nul cette ouverture parce que déjà claquer une ultra c'est pas mal. Bon, en plus Kaofin, bon c'est plutôt pas mal aussi. Bon, dernier style de combat avec notre Chiffourse. Du coup, c'était pas 1000 points. Du coup, lui c'est pas 1000 points parce que 1000 points c'est le bleu. Enfin, vu que 1000 points c'est le bleu, donc j'imagine que ça doit être point final. J'imagine que ça doit être Chiffourse point final celui-ci. Du coup, qu'il y a en ultra. Donc voilà. Hop. Allez, on essaye de ne pas casser le booster. C'est pas grave. Au pire, si on le casse. Ok. Alors, j'allais faire pas le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc, bon. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Ok. On y va. Alors avec, on a un férocinge. Ramolos de Galar, qui est encore là, qui nous suit. Mimantis. Rémored. Osselet. On a l'énergie de type obscur. On a la concentration de Cornelia. Vagomine, qui est plutôt génial. Morpeko de type obscur, et non pas de type électrique. Malos en commune reverse. Et Betochef en rare. Ok, nickel. Bon bah c'est parfait. Allez, tac. On continue avec l'évolution céleste, avec Duralugon maintenant. C'est vrai que j'en ai pas ouvert hein, de ça, donc bon c'est toujours ça peut toujours me servir pour me rattraper. Mais c'est vrai que j'en ai pas ouvert de booster comme ça. Donc bon, ça me permet de me rattraper un peu de l'ouverture que je n'ai pas faite à l'époque. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. On commence avec un petit Brondibou. Oh, Bondibou, pardon, à 30 PV. D'accord. Ok. Verpomme. Ok. Ténéfix. On a Goupilou. Ah, ça, c'est une carte que j'ai, que je joue en deck. D'ailleurs, je ferai un peu plus de vidéos. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo, mais j'ai pas encore fait le montage. J'ai fait une vidéo sur tout simplement le JC Pokémon Online où j'ai ouvert des boosters avec les codes. Donc voilà. Grelasson. Donc j'ouvrirai des boosters et je ferai aussi des decks de combat avec vous. Et je ferai aussi des vidéos de combat. Et j'ai dû de même à être en live pour faire des combats. Donc voilà. Énergie de type Psy. Seracrawl. Ok. Qui est. Un Pokémon de forme évolutive d'Hisui. On a Vigoroth. On a une Rêve Ball. D'accord, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Rêve Ball. Hein. On a un Pikachu en commune reverse. Et... Oh! Joli! Tiens, on parlait de Filali. Et ben voilà, Filali V. Ok, bah tiens, juste après, c'est incroyable. Filali V, juste après. Elle est magnifique. Juste après, justement, les coffrets, on a Filali V. Ok, en full art. En full art non relief. Hein. Donc voilà, très très joli. En ultra. Très très joli ça. Ok, j'espère que vous pouvez bien la voir. J'espère que c'est assez joli à voir. Donc voilà, j'espère que vous voyez quand même pas mal. Filali V qui est très joli. Bon, bah très bien, encore une autre ultra. Ok, je m'y attendais pas. Donc ça fait très plaisir d'avoir des ultras. Allez, on continue encore. Ça fait deux ultras hein, dans ce genre. Donc ça fait. J'imagine que ça doit faire une ultra par box. Pour l'instant, c'est une ultra par box, hein, puisque j'en ai quatre. Donc pour l'instant, c'est une ultra par box. Le code. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je crois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, ouais. Ok, j'espère que je ne me suis pas trompé, on verra bien. Bref, Pitrouille, Furéglon, Nidupio, on a Emolga, Chauve-Sourire, l'énergie obscure, mais dis donc, on a que de l'énergie obscure. Copieuse, qui est une carte intéressante, ça. Diamat, waouh, le nombre d'énergie qu'il faut pour faire son attaque d'un coup de boule, incroyable. Ok, Floravol. On a Géolite en peu commune river, je crois, et Kelurior en rare. Ok. Kelurior, un Pokémon qu'on n'a pas vu depuis longtemps également. Ok. D'accord. Allez, suivant, on enchaîne avec Noctali cette fois-ci. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir derrière, je vous laisse appuyer sur pause pour lire le texte. Bref, en soi, bon, les gens ont certainement dû déjà lire le texte, hein, puisque c'est une série qui est quand même passée. Je crois que c'est une série de 2019. Ah non, j'ai totalement détruit le booster. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai détruit le booster Noctali. Surtout qu'il était très joli. Hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Surtout que le booster était très très joli. C'est dommage. On a Soporifique. Bagiguan. Drabi. Chauve-sourire. Tritonde. On a l'énergie de type métal cette fois-ci. Le rouleau du dragon volant. Donc c'était un dresseur 1000 points. Corps céleste, défaut d'énergie de ce Pokémon. Cette attaque inflige 90 dégâts à l'un des Pokémon de ton adversaire. Ça peut être plutôt pas mal en soi. Crabarak. Ok. Un gobelet d'échange. D'accord. Goupilot au Common River, c'est... Ouh! Entei holographique. Très très joli.
Très, très, très joli. Entei qui est point final d'ailleurs. Ok. Donc, Entei holographique. Hop. Bon, bah, c'est la première holo. Les holographiques sont plus rares que les V et les V Max. Les holographiques sont même beaucoup plus rares que les V et les V Max parce qu'il n'y en a pas énormément. Avant, il y en avait à foison. Maintenant, regardez, ben, il y en a pas la masse, hein. Mais elle est très très jolie. Mais elle est très 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 jolie. Bon, je la mets de côté parce que également ça reste une carte qui est assez intéressante. Ensuite, on enchaîne avec les derniers points de fusion. Donc, c'est-à-dire qu'on a Ectoplasma VMAX et les Mew VMAX. On va ouvrir un Mew VMAX, puis ensuite un Ectoplasma VMAX. Allez, hop. Allez. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez de bons tirages parce que c'est la série en ce moment, c'est plutôt l'ouverture de série. Ah, il y a un plastique dans un plastique, quoi, c'est incroyable. Je dégomme le booster. Bref. Ouf. Ouh là 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 là. C'était un peu du n'importe quoi ce booster. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok. Alors. Nous avons Fermite, Flamajou, Balbuto, Négapi, Corailion de Galar. Oui, je dis encore une énergie obscure. Je disais, j'espère que vous aussi vous vous amusez bien dans l'ouverture de Star Antisland. Et j'espère que vous avez quand même pas mal de bonnes pioches. J'espère, puisque ça me fait plaisir de savoir quelles pioches vous avez également. Donc Damien, un échange croisé. On en a ouvert suffisamment hein, du point de fusion. Crocodile, il nous reste encore la display d'ailleurs. Cradopon en commune reverse et Meloetta en rare. Pas intéressant. Pas du tout intéressant ce booster. Ok, mais bon, c'est comme ça. Hein. Suivant, on va entamer cette fois-ci le Ectoplasma VMAX, le seul qui était. D'ailleurs, les boosters, ils sont incroyablement. Ils arrivent à se déchirer incroyablement vite. Des fois, je remarque que je suis pas dans le crâne pour ouvrir le booster, donc. Donc je m'excuse si je suis pas trop dans le cadre pour ouvrir le booster. Parce que bon, il faudrait quand même que j'arrive. Allez, tac. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok. Et on y va avec Coquillas. Chenipan. Rototaupe. Lixie. Laporeille. On a l'énergie de type métal. On a une pastille puissance. Persian. Darumacho de Galar. Goupix en commune reverse. Et Latias en rare. Ok. Et enfin, le dernier booster Pokémon. On va avoir Est-ce que la théorie, c'est qu'on va avoir une V ou une VMAX par coffret? Parce que c'est le dernier. Parce que pour l'instant, on a 3 V. Hein. Je vous rappelle qu'on a 3 V et on a eu 3 coffrets. Donc, est-ce qu'on va voir 3 V par coffret? Je ne sais pas encore. On verra. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. On verra, mais moi, je crois pas. Hein. Je crois vraiment pas. En tout cas, ce serait pas mal. On a Hexadron, Morpeko, Kelorior, Quillfish, Anchoite. Énergie de type métal, Flamoutant, le Grelot d'Adieu, Linéon de Galar, Boumata en rare reverse et Granbull en rare. Bon, bah cette ouverture au final elle sera pas non plus très 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 très. Enfin, c'est pas miraculeux, c'est juste une bonne ouverture. Pour toi, Koffer, on a eu donc Entei ici en holographique, on a eu Philali V en full art et on a eu Chifourse VMAX en full art relief. Je sais plus comment on appelle justement les full art comme ça, mais voilà. On a eu Chifourse VMAX, Philali V. D'ailleurs, ce qui me fait penser à l'ouverture du coffret. Donc voilà. En tout cas, c'était une ouverture plutôt pas mal. Et les decks, c'est très intéressant pour les garder pour justement. Enfin, les coffrets, c'est très intéressant pour les garder en deck box. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde, c'était Shengix.